Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que je suis en train de tester. Ça fait un petit moment que je le teste d'ailleurs, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est des produits que j'ai reçus d'un groupe en fait qui a plusieurs marques, voilà, qui diffuse plusieurs marques, notamment la marque donc Purasana. C'est un produit dont je vais vous parler et la marque Agar. Agar, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Routine matinale, quelque chose comme ça. Mais je vais vous parler d'abord du produit que j'ai reçu. C'est un green mix, superfood, raw powder. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Raw powder. Voilà. Donc c'est un super superfood. Et c'est un mélange de plantes en fait. Alors bien entendu, c'est labellisé, on est d'accord. Dans un petit livret que j'ai reçu aussi, votre secret vitalité, qui est comme ça. Donc il parle justement des super aliments. Ils font pas mal de choses d'ailleurs. Alors, au niveau de l'introduction, ils vous disent qu'est-ce qu'un superfood? Donc, je vais vous lire un petit peu ce que c'est, comme ça vous donnera une idée aussi. Les superfoods et raw foods biologiques de Purasana sont des aliments purs issus de céréales, de plantes, d'algues, de graines, de baies, de fruits, de légumes, etc. Sans pesticides, produits chimiques, agents de charge, colorants, aromatisants, conservateurs ou tout autre type d'additifs synthétiques ou artificiels. Donc, voilà, donc c'est vraiment du produit brut, enfin, qui est. Prélevés dans des, enfin voilà, dans des super conditions en fait. Ils sont naturellement riches en nutriments essentiels et en phytonutriments comme les fibres alimentaires, les acides gras, oméga-3, 6, 9, etc. Les protéines, les vitamines, les minéraux, les acides aminés essentiels, les enzymes, etc. etc. Quand parle-t-on de raw food? On parle de raw food lorsque les aliments sont chauffés à une température qui ne dépasse pas la chaleur corporelle, soit 40 degrés maximum. L'aliment conserve ainsi tous ses éléments vitaux et nécessaires, la vie en fait. De l'aliment est préservé et le corps peut ainsi les assimiler de façon optimale. Les superfoods et raw foods vous procurent un élan de vitalité. Pourquoi manger des superfoods? L'exploitation moderne des terres agricoles, le recours aux engrais artificiels et nombre d'autres facteurs en tout genre détériore la valeur nutritionnelle du produit des cultures sur le plan des nutriments essentiels et phytonutriments. Il est recommandé de consommer le plus possible d'aliments crus et variés pour en retirer tous les nutriments nécessaires à un bon équilibre physiologique. Les superfoods constituent à cet effet le complément idéal et naturel. C'est la raison pour laquelle ils gagnent en popularité et sont utilisés par un nombre croissant de personnes. Comment utiliser votre superfood? Il y a une multitude de possibilités pour utiliser les superfoods. En règle générale, pour tous les superfoods et superfoods mixtes, vous pouvez mélanger 2 à 3 cuillères à café de poudre dans 250-300 ml de smoothie, shake, lait végétal, etc. Jus de fruits ou en ajouter dans les yaourts, céréales, du petit déjeuner et dessert. Vous pouvez aussi combiner plusieurs superfoods. Soyez surtout inventif et n'hésitez pas à expérimenter de nouveaux goûts en ajoutant des superfoods dans les plats et recettes. Voilà, ça c'est vraiment la petite explication de qu'est-ce qu'est un superfood, un super aliment en fait. Et vraiment, moi je sais que j'ai choisi donc le green mix, donc c'est un mélange de plantes. Vous en avez, ils font par exemple que des poudres de graines de chia. Pardon, ils font des graines de chia, des poudres de chlorella. Donc ça, c'est une algue aussi qui permet ben, d'enlever les métaux lourds. Donc c'est pas mal d'en faire des cures de temps en temps. Ils font de la poudre de Camu, qui est comme ça. Mais vraiment, ils ont un choix qui est quand même assez énorme. Ils font un mix détox total, mix vitalité, des baies de cassis, mix riche en fibres, mix minceur. Donc ça doit permettre de drainer, en fait, tout simplement, et d'éliminer ben, voilà, le superflu. Ça doit aider pour les gens qui seraient en train de vouloir perdre du poids. Ils font des mixtes pour les sportifs, des mixtes petit déjeuner, avec du maca, spiruline, baies d'acai, graines de chanvre, etc. Du cacao, quinoa instantané et cacao. Enfin, ils font, enfin voilà. Ah, ils font de la poudre de pollen d'abeille. Alors moi, j'adore ça. Poudre de quinoa instantané, poudre d'herbe de blé, poudre de baies de goji, poudre de spiruline, poudre de maca. Enfin bon, ils en ont, voilà. Ils sont vraiment Purasana est spécialisé dans ce type de superfood en fait tout simplement. Moi donc j'ai pris le green mix et donc pour ceux qui auraient envie ben, de tenter l'expérience, alors déjà je peux vous dire je l'ai bien entamé puisque j'en suis ici. Donc j'en ai déjà pas mal consommé. Donc pour vous montrer un peu, vous voyez c'est une espèce de poudre verte en fait qui est très légère. Et alors moi je l'utilise d'une manière générale dans mes smoothies tout simplement. Puisque je bois des smoothies très régulièrement et du coup ben j'en mets dedans. Alors moi je ne suis pas à 2-3 cuillères
à café, j'y vais à la louche. C'est-à-dire que je prends mon truc et je secoue dessus un peu, mais peut-être que ça fait l'équivalent, je pense, d'une bonne grosse cuillère à soupe, même peut-être un peu plus du coup. Donc ça doit faire à peu près l'équivalent. Je fais ça pas tous les jours, parce que je ne mange pas des smoothies tous les jours, mais j'en mange très très régulièrement. Donc dans la semaine, je m'en fais au moins peut-être 2, 3 fois. Donc je trouve ça déjà pas mal. J'ai jamais testé sur les salades, mais pourquoi pas tester. Et ni dans les yaourts, puisque je ne mange quasiment pas de yaourts. Donc à part les yaourts végétaux que je fais. Et je n'ai jamais testé non plus dans un lait végétal. Enfin voilà, donc, mais à voir, à tester, pourquoi pas. Pour la poudre Green Mixed que je vous ai présentée et que je suis en train de tester, on va dire, il y a marqué que c'est un mélange riche à base de poudre de chlorélia, poudre de spiruline, poudre d'herbe de blé et poudre d'herbe d'orge. C'est une source de vitamines, minéraux, phytonutriments qui peuvent être absorbés facilement par le corps. Il s'agit d'un élément complet et naturel, exempt de tout additif synthétique, qui est de ce fait parfaitement assimilé par l'organisme. Alors, en plus de vous faire du bien, ça ne vous pollue pas, on est d'accord? Donc, c'est quand même. Enfin, voilà. Riche en acides folique, sélénium, fer, toutes les vitamines B, potassium, calcium, zinc, cuivre, manganèse, chlore, phosphore et chlorophylle, contient aussi du bêta-carotène. Voilà. Alors, la particularité de ce mélange, de ce superfood mixte, en fait, Green Mix, c'est un puissant détoxifiant, effet alcalinisant, source de puissance et d'énergie, renforce le système immunitaire, indispensable pour les sportifs. Voilà. Donc vous pouvez l'utiliser en cuisine, dans les soupes, les yaourts, les smoothies, et enfin dans ce qu'on veut en fait. Hein. Vous pouvez vous faire des smoothies, boissons détoxifiantes, faire des boissons détoxifiantes. Franchement, moi je trouve ça génial. Ça permet, parce que bien entendu, la chloréage, lui, ça permet d'enlever les métaux lourds. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour détoxifier aussi. Et après, la spiruline, c'est voilà, on sait déjà que c'est des super aliments. Donc là, c'est vraiment un mélange de super aliments qui favorise aussi la détoxination. C'est génial, notamment faire une bonne cure de ça, je pense, au printemps et par exemple à l'été. Ça peut tout simplement aider au corps, faire des petites monodiètes, des choses comme ça. Je trouve ça parfait. Voilà, donc ça, c'est un produit qui est génial. Franchement, j'en rachèterai, mais c'est certain. Parce que déjà, j'aime le goût. Le goût ne me dérange pas. C'est un goût vert, ça, c'est certain, on est d'accord. Mais moi, ça ne me dérange pas, parce que régulièrement, je faisais des cures de spiruline ou de chlorélia, en fait. Donc, pour moi, ça ne change rien du tout. Le goût ne me dérange pas, et j'aime bien, en fait. Et souvent, je fais simple. Je fais, par exemple, banane, je mets un peu d'eau. Et quand j'ai du pollen, je mets un petit peu de pollen et je rajoute voilà, du Green Mix. Et je trouve ça super bon et hyper agréable. Et comme c'est bon pour la santé, on est d'accord. Et pas de quoi s'en priver. Ensuite, ils m'ont envoyé donc de la marque Agar, la pâte dentifrice, une pâte dentifrice, dentifrice, haleine fraîche et gencive tonique, propolis, sauge et camomille, qui est comme ça. Je vous l'avais déjà présenté, là il est bien entamé, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Et franchement, il n'y a rien à dire, il est très bien, il donne l'haleine fraîche, je trouve. Et moi j'aime bien la propolis, donc voilà. Et ils m'ont envoyé donc aussi un petit savon miel propolis, qui est comme ça, de chez Agar, toujours la même marque en fait. Alors par contre, ces deux produits ne sont pas labellisés. On est d'accord. Mais voilà. Hein. Et le savon sent merveilleusement bon la propolis. Alors pour les gens qui aiment vraiment la propolis comme moi, alors ce savon, il sent fortement la propolis. Donc c'est vraiment hyper agréable. Je ne sais pas combien il y a de pourcentage de propolis là-dedans, mais ça sent super bon. Vraiment. Donc quand je l'aurai testé, ben, je vous en donnerai aussi des nouvelles sur ce petit savon. Voilà, il fait 100 grammes au niveau du poids, donc c'est parfait. C'est pas une grosse savonnette, c'est facile à tenir dans la main aussi quand on se lave, tout simplement. Écoutez, j'espère que je vous aurai fait découvrir aussi parce que c'est un superfood. Honnêtement, pour ceux qui ont des problèmes de carence, de mauvaise assimilation, des choses comme ça, n'hésitez pas à faire des cures de ce genre de produit de temps en temps. C'est vraiment un plus pour l'organisme. Ça permet aussi d'alcaliniser l'organisme. Donc quelqu'un qui serait un peu acidifié, qui mangerait très mal, etc., ça permet d'apporter un petit peu de douceur à l'organisme, on va dire ça comme ça. Je vous embrasse bien fort tous et toutes. J'espère que écoutez, cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!